Bonjour les amis. Salut. Ouais, il dit bonjour aussi. Bah là, vous commencez à le connaître, hein, Guy, que vous voyez dans mes vidéos, on devient inséparable. Ah oui, ça va, on devient inséparable. Je suis mal barré, moi, les amis. Je suis mal barré. Hein. Voilà, mais au moins, on travaille, on rigole et on est sérieux en même temps. Ah ouais. Donc aujourd'hui, vous voyez derrière nous, on est à l'Université catholique de Lille, à LISA. Donc c'est la branche des ingénieurs de la Terre, donc les agronomes, tout ce qui est donc des gens sérieux. Ingénierie de la Terre, des espaces verts, etc. Et donc aujourd'hui, il y a une journée dédiée justement aux étudiants, mais également aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux managers. Donc il y a quand même pas mal de monde dans l'amphi. Oui. Et donc aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est ce que je retiens déjà de cette matinée, parce que là, il y a encore l'après-midi. Cet après-midi, moi, je donne une conférence. Et ce soir, Guy aura pour lourde tâche de synthétiser tout ce qui aura été dit. Donc, ça va être très difficile. Voilà, donc Guy, il doit écouter pendant que moi, je dors. Ah oui. Et donc, ce qui en ressort déjà de cette première matinée, c'est justement la problématique que nous avons, en tout cas que les jeunes et que les jeunes entrepreneurs, que les jeunes ingénieurs et les stagiaires rencontrent, c'est de remarquer que dans les entreprises, il y a des difficultés à faire face à l'innovation, oui, face au changement. On est surtout dans le monde de la Terre, et puis bon, de toute façon, ça se retrouve dans toutes les entreprises. On a des difficultés à accepter le changement. On reste bloqué. Voilà les traditions. On a toujours fait comme ça, on ne va rien changer. Exactement. Alors ça, c'est valable pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour dans nos vies privées. On est dans notre routine, ça a toujours marché comme ça, donc pourquoi on changerait? Et ça, c'est vraiment un problème dont les étudiants font face en ce moment et dont nous pouvons faire face également dans nos entreprises et dans nos propres vies. C'est n'ayons pas peur d'innover, n'ayons pas peur d'améliorer ce qui fonctionne aujourd'hui. Parce que quand on cherche des innovations, quelquefois, on a des super bonnes surprises. Exactement. Alors, innovation ne veut pas dire tout changer, tout racler, tout effacer. Non, on peut très bien respecter nos valeurs, respecter notre histoire, tout en améliorant ce que l'on peut faire, notre méthode de travail. Comme tout à l'heure, on avait un intervenant qui disait les arbres et l'herbe, on va toujours planter de la même façon, ça ne va jamais changer. Mais en revanche, c'est tout autour, c'est les hommes, c'est la façon de gérer les hommes, la façon de gérer nos métiers qui peut-être être améliorée. Voilà, soyez ouverts à ce qui peut être amélioré dans vos vies, dans vos entreprises. N'ayez pas peur d'innovation. Ce qui fait peur en général, c'est l'inconnu. Ah oui, pensez par exemple aux gens qui ont imaginé le smartphone comme vous nous voyez en ce moment. Il y a 20 ans, on aurait dit qu'il est complètement fou ce type. Ah oui. Aujourd'hui, on utilise un smartphone. Ah ouais. En fait, je l'utilise plus pour filmer que pour téléphoner. Ah ouais. Voilà les amis, n'ayez pas peur de l'innovation, n'ayez pas peur de lâcher tout en conservant votre patrimoine voilà, historique. Ça fait partie de votre histoire, ça fait partie de vos compétences, ça fait partie de ce que vous êtes aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur d'innover, n'ayez pas peur de changer les choses, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Quand est-ce la dernière fois que vous avez pris un risque? Ouais. Et si vous ne pouvez pas répondre à cette question, eh bien là, il est peut-être temps justement de prendre un prochain risque dès aujourd'hui. Et d'innover. Voilà les amis, donc nous on va retourner, on va manger là. Ouais. Donc il y a un food truck là. Ah voilà. Ouais, voilà, c'est bien, hein, on va... Là on a un truc super, on va aller manger quelque chose de super fantastique. Hein. On est dans le Chenor, on est à Lille, chez les skis. Donc... Avec des frites, hein. Allez, hein. On a un accueil chaleureux. Voilà les amis, je vous dis simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao. Salut, à bientôt.